Bonjour! Ce fut compliqué d'arriver jusqu'ici. J'ai fait un aller-retour pour rien, mon cheval est mort. Ouais, très compliqué, c'est toute une aventure pour venir jusqu'ici. Qu'est-ce que tu veux? Je suis très occupé. Ne te mets pas dans mes pattes. Bon, monsieur très sympathique. Qu'est-ce que tu veux? J'ai affaire, ne viens pas me déranger. Je veux t'aider. M'aider? À faire quoi? Va m'aider. Un instant. Tu te présentes ici, tu es au courant pour va m'aider. Est-ce que le chef ou ma femme t'a envoyé? Oui, un peu les deux. Il y a des armures pour les chevaux? Je crois pas, non. Il me semble que non. Dans les deux cas, tu m'as trouvé étranger. Je suis bien Théba. Et toi, qui es-tu? Je suis Link. Ce nom m'est familier. Link. J'imagine que c'est notre chef qui t'envoie pour me ramener, pas vrai? En effet. Évidemment, il n'y a que le chef pour faire ainsi confiance au premier venu. On t'a probablement demandé de me ramener au village avant que Médo ne provoque une autre tragédie, pas vrai? Désolée de te décevoir, mais ma décision est prise. Je n'ai pas suivi l'entraînement des guerriers Piaf pour fuir le danger. Je ne courberai pas l'échine devant ce monstre. Je ne reviendrai pas au village sans avoir vengé le sang de mon ami. Non, je ne reviendrai pas au village. Je ne reviendrai au village Piaf qu'à une condition. Que nous mettions fin au règne de Vamedo et à son balai lugubre au-dessus de nos têtes. Vamedo doit tomber. Je n'aurai pas de repos avant de le voir à terre. Quand sa funeste silhouette aura cessé d'assombrir notre ciel, alors seulement je reviendrai au village. Comment tu sais ça? Ah, on t'a parlé de moi au village, c'est ça? Les gens savent à quoi s'en tenir. Quoi qu'il en soit, le chef a raison. Pour arrêter Vamedo, il faudra l'attaquer de l'intérieur. Tu es vraiment prêt à te lancer dans une entreprise aussi périlleuse? Bien évidemment! Non seulement t'as pas d'aile, mais tu serais pas un peu lent à la détente en plus? Non. Bon, je t'explique. Les seules personnes capables d'ouvrir l'accès à la créature divine sont les cinq prodiges. Le problème? C'est que tous ces héros sont morts il y a 100 ans. Ganon les a. Et puis non, ça suffit comme ça. Tu n'as pas besoin de connaître la suite pour tenter de t'introduire dans Médo. Si tu te jettes sur elle comme un fou, tu ne seras rien de plus que de la vulgaire chair à canon. C'est pourquoi je dois d'abord te mettre à l'épreuve. Il y a un fort courant ascendant dans ce ravin. Il te suffit de tenir une pièce de tissu au-dessus de la tête pour flotter dans les airs. Voyons comment tu te sors de cet exercice d'entraînement, Piaf. Tu vas devoir te diriger habilement pour détruire 5 cibles en 3 minutes. Ça marche! Dans ce cas, prouve-le. Sers-toi de ton arc pour détruire 5 cibles. C'est notre chef qui t'envoie. Non, non, c'est le postier. Bah ouais, c'est le postier, il m'envoie. Et de une! Ah, je suis peut-être un peu loin. Je suis peut-être à peu près. Joli! Professionnel! Très bien, reviens par ici! Professionnel! Je sais pas combien de temps j'ai mis, mais professionnel, moi je vous le dis. Professionnel. Tu es un archer dans le tueux! Oui, merci, je sais. C'est gentil. On aurait dit que le temps s'arrêtait à chaque fois que tu décochais une flèche. Non. C'est dans ta tête. Pas du tout. Pardonne-moi, Link, je t'ai sous-estimé. Ta maîtrise de l'arc est impressionnante.
Tu as dû traverser des épreuves pour arriver à un tel niveau. Oh, un petit peu, un petit peu. Ne sois pas modeste, voyons. Ça saute au-dessus. Si, je suis une fille très modeste. Je suis une professionnelle, mais une professionnelle très modeste, n'est-ce pas? Link, c'est ça? Ça me plaît bien. J'ai une faveur à te demander, Link. Viens avec moi. Allons combattre Medo ensemble. Tiens-toi à mes côtés et fais taire ces affreux canons une fois pour toutes. Regarde dans ce coffre. Tu y trouveras un arc amélioré par mes soins. Prends-le. Et préviens-moi quand tu auras terminé tes préparatifs. Alors, moi je veux bien, mais je crois que je n'ai pas de place. Voilà, voilà, parce que je n'ai jamais de place. Je ne peux... on peut peut-être jeter celui-là, en vrai. Celui-là, je pense qu'il est nul. Je pense que celui que tu me donnes est mieux. Ouh. Arc du faucon. C'est gentil. Par contre, je prends les flèches aussi qui sont là. Lui, comment dire, j'ai pas de place. Par contre, il faut qu'on parte là maintenant tout de suite. Mon cheval, il est toujours là? Ah, il se promène, hein. L'heure est enfin venue d'affronter Vamedo. Quoi, genre là, maintenant, tout de suite, comme ça? Ne fatigue pas à lui envoyer des flèches normales, ça le chatouillerait même pas. Non, pour réduire ces maudits canons au silence, c'est des flèches explosives qu'il faut décocher. Tiens, prends ces flèches. Je n'en ai pas beaucoup, alors c'est juste pour cette fois. Mais puisque tu m'aides, c'est le moins que je puisse faire. Bah, pas beaucoup, 20 flèches explosives, c'est déjà pas mal, hein. N'oublie pas non plus qu'il va faire un froid glacial là-haut. Tu as terminé tes préparatifs? J'espère que tu as un plat chaud ou des vêtements protégeant du froid. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Bah écoutez, au pire, tant pis pour le cheval. On a l'habitude de pas avoir de cheval. Allez, vas-y. Mais avant, j'ai une question à te poser. Pourquoi veux-tu tellement m'aider à triompher de Medo? Pour Zelda, pour le village, ça me révolte. Parce que, ça c'est de la réponse, parce que... Allez, pour ton village. Notre village? C'est pas la peine de jouer au héros. Y a pas de récompense à la clé, tu sais. Mais ne va pas te défiler une fois le nez à nez avec Medo, compris? Eh bien, soit. Eh bien, on dirait que l'heure est venue. Allez, grimpe! C'est parti, on s'envole! On s'envole, on s'envole, on s'envole! Ça y est, nous y voilà! Moi, quand je vole à cette altitude, j'ai l'impression que je vais me transformer en glaçon. On va se congeler! Alors, va, Medo est juste là. Mais la barrière qui la protège va nous poser quelques problèmes. Eh bien, tu ne dis plus rien. C'est la peur qui te cloue le bec? Allons, revoyons le plan ensemble. Ok, tu vois ces canons? Je vais essayer d'attirer l'attention de la créature pour qu'elle me tire dessus. Pendant ce temps, tu vas devoir les détruire avec tes flèches explosives. Ça va jusque là? Si t'as besoin de t'éloigner un peu de la cible, tu n'auras qu'à sortir ta paravoile. Si tu restes un moment dans un courant ascendant, je pourrais venir te reprendre sur mon dos. Tu n'as qu'à demander. Inutile de perdre ton temps à viser la barrière autour de la bête en tout cas. Et quoi qu'il arrive, ne la touche surtout pas. Dernière chose. Tu vas me dire que... Je me répète, mais c'est primordial. N'oublie pas de te protéger contre le froid. T'inquiète, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. On doit s'équiper. Ouais, attends, faut que j'équipe les... Ah bah c'est bon, elles sont équipées avec ton arc en plus. C'est vraiment nécessaire d'utiliser ton arc. Qui me paraît quand même pas mal. Est-ce qu'on équiperait pas plutôt celui-là? Ouais. Allons-y! C'est parti! Élimine-moi ces canons!
Je vais y arriver! Oula, d'accord. J'ai touché? J'ai rien touché du tout! Là, je peux pas le rater quand même! D'accord, il lui en faut plusieurs par contre. Ok, c'est touché, c'est coulé! Tu m'as raté? Attends, j'arrive! Tu m'as encore raté, je sais pas viser. Mais on est mal de quoi on est mal? On est mal de rien du tout, regarde, pouf! Je l'ai raté, c'est incroyable! Touché! Et... coulé! Allez, suivant! Pan, pan, pan. Qui redescend un peu. Allez, il m'a vu, il me vise! Il va tirer! C'est pas sur moi qui tire, eh ben tant mieux. Hop. On se rapproche doucement. Ouais, je me rapproche beaucoup. J'avoue que je suis pas obligée d'autant me rapprocher. Mais bon. On peut pas dire que... Enfin si, il a dit que j'étais une super archère, mais... voilà. On va pas se mentir. Hein. Bon. Disons que plus je suis prêt, mieux je viserai. Ça va faire mal, mais non, ça fait pas mal. Waouh, quoi que là, c'est pas passé loin quand même. Une, deux, c'est touché, c'est coulé, c'est fait. Bim bam boum. Plus de bouclier. On a réussi! Victoire! Par contre... Oh non, il est touché! Il est touché! Retourner à la zone d'exercice. C'est rien de grave. T'en fais pas pour moi. Occupe-toi plutôt de Vamedo. Vas-y, Link. Tu vas y arriver. On va y arriver. On va y arriver ou on va pas y arriver? Inscrire un cheval. Si vous l'inscrivez dans un relais, un cheval sauvage que vous avez capturé, vous pouvez le siffler pour qu'il vous rejoigne. Sauf si celui-ci décède. Là, c'est triste. Voilà. Activation du point de téléportation et inscription sur la carte. Tiens, mais qui voilà? Je savais que tu viendrais. Je n'en ai jamais douté. Mais tu ne manques pas de culot de m'avoir fait attendre plus de 100 ans. J'imagine que tu es venu reprendre mes dos à Ganon. Ouais. Alors va chercher la carte. Tu en auras besoin pour avoir une vue d'ensemble de la créature divine. Voilà la pierre guide dans laquelle sont contenues les informations de la carte. Voyons si tu arrives à l'atteindre. Ouais, y a pas de raison que j'y arrive pas, voyons.
On va y arriver. On est des professionnels ou on n'est pas des professionnels? Alors par contre, peut-être pas les flèches explosives, voyons. On va revenir sur des flèches un peu plus classiques, hein? N'abusons pas. Est-ce que je pourrais récupérer ma flèche? Non. Ça, c'est dommage. Hein. Il manque un peu de flèches, moi. On n'a jamais trop de flèches. Attendez. On va peut-être le prendre quand même, ce courant d'air. Ah oui, non, peut-être pas aussi haut. Oui, non, bon, ok, ok, ok. Non, pas la bombe. Pas la bombe, pas la bombe. Ouais, juste comme ça, ça sera suffisant. Voilà, on passe là. Un troisième! Aïe! Il m'a touché. Il m'a touché! Non, ta lance, tu peux la garder. Par contre, je veux bien les vis. Merci. C'est bon! On a atteint le premier objectif, la carte. Carte! C'est fait! Plouf. Et plouf. Ok. Vous avez désormais accès aux commandes de la créature divine. Parfait, parfait. Tu as trouvé la carte de la créature divine? Parfait. Alors regarde-la. Les points brillants représentent l'emplacement des terminaux de contrôle de Vamedo. Ouais. Si on veut récupérer la créature, il faut tous les activer. Et fais-moi plaisir, essaye de ne pas en oublier. Mais ça va, je vais pas en oublier. J'ai pas confiance en toi, bien sûr. Ouais. Ok, du coup, tout se passe dans les ailes. Hein. Alors, carte. Attention, ça pivote! Oh, ça pivote moins que ce que je l'aurais pensé. Comment... Non, je peux pas. Ok, je tombe. Y a pas de soucis, je tombe. Oui, ça pivote pas autant que je le pensais. D'accord. Qu'est-ce que... D'accord, il y a des méchants. Par là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on pourrait pas accéder à l'aile? Non, je peux pas monter. Link! Abuse pas! Non, par contre, toi, je t'ai vu. Ok, plus haut. Encore plus haut. Mais il est si loin que ça, ce truc! Ah. Hey, j'ai pas flèche infinie, moi. Ok, on va pouvoir repivoter plutôt dans ce sens-là, du coup. Et on va... logiquement passer de l'autre côté. Logiquement, hein. Youhou! À l'intérieur de la... à gauche, non. Bah écoute, au moins je suis montée. Je suis dans une autre zone. C'est déjà ça. Bah il y en a un qui est juste là. Voilà, ça c'est fait. Voilà.
Après, faut pas s'inquiéter, on va trouver. Il reste 4 terminaux de contrôle. J'ai déjà vu des escargots plus rapides que toi, tu sais. Bah, il me cherche, lui, hein. En v'là un qui est fait. Après, on les fait plus ou moins dans l'ordre que ça se présente, quoi. Il y a quelque chose qui me suit. Cette arme... non, c'est pas le bouclier que je veux changer. C'est l'arme que je veux changer. Elle est carrément trop lente. Et c'est chiant. Les armes lentes, j'aime vraiment pas ça. Toi, par contre... Et là, je tire trop, évidemment. Je veux récupérer mes flèches. Y'a pas de flèches? Oh! Attends, reviens, le coffre! Attends! Reviens! Dix flèches de glace, merci. Ah, c'est bon, si t'es pas inquiet, alors tout va bien. Tout va bien se passer. Ça se passe toujours bien. Après, au pire, on met 2 heures, mais ça va bien se passer quand même. Si on touche à ça, ça fait quoi? Ouais, moi, je touche à tout. Ok. D'accord. Mais encore. Est-ce qu'il faudrait pas le refaire basculer par le plus grand des hasards? Je sais pas à quoi ça sert de faire rentrer du vent dedans. Bah, ça fait tourner ces trucs. Lui tombe, il tombe, il tombe. Ah! Ok, attendez, j'ai saisi. Lui, faut le remettre. Ici, voilà. Je pensais que ça ouvrirait la porte, mais pas du tout. À moins qu'on ait la même chose à faire de l'autre côté. Plus ou moins. Pop, pop, pop. Est-ce que ça s'ouvre ce truc-là ou pas du tout? Ah non, mais là, je vais le refaire tomber. Attendez, non, il va retomber. Ah non, il s'en va. Bon, après, connaître le jeu, ouais, je le connais un peu, mais... Va falloir quand même se servir de sa tête. Non, mais... Non, on va le remettre. On va le remettre quand même à sa place. Enfin, là où je l'avais mis. Ce qui veut dire qu'il faut juste... C'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans le bon sens. C'est pas dans le bon sens. C'est tout ça, ce sens-là. Lui, on le tient. Il va retomber. Ah, c'est parce qu'il lui fallait toute la... D'accord, j'ai compris, il lui fallait toute la puissance, en fait. Tu peux t'en aller, toi. Fallait pas juste le faire tomber dessus, fallait vraiment qu'il vienne avec une certaine vélocité. Ah, ok. Il reste 3 terminaux de contrôle. Allez, du nerf. Du nerf, du nerf. Bah du coup, on a fini de ce côté-là. A priori, on a terminé de ce côté-là. J'aimerais bien aller voir ce qu'il y a là en bas. Là, il y a... Ah, il y a un coffre. Je croyais que c'était un œil. Si, il y a un œil aussi. Ouais. Si je vise mieux, c'est mieux. Voilà. Donne le coffre. Donne le coffre.
arbre antique. Merci bien. Est-ce qu'on a autre chose ici? Parce que de ce côté de... Ce côté, normalement, c'est tout bon, on a tout fini. On aille du coup dans l'autre côté. Attendez, j'ai vu du vent. C'est là pour pouvoir remonter. On va remonter là. Et hop! On monte haut. Oh, on monte très haut. Du coup, c'est le côté en bas. C'est par là qu'il faut y aller. Est-ce que je vais pouvoir descendre depuis le haut ou pas du tout? Pas l'air d'y avoir de descente, non? Je peux monter, mais... Non, il y a des grilles. Non, faut passer par l'intérieur. On peut pas passer par le dessus, évidemment. Ça aurait été trop facile. Oh, mais sinon, on avance bien, ça va. Deux de fées. On n'a pas fait la moitié, tout va bien. Yep, hop, hop, hop. Ok. Du coup, là, c'est plutôt en bas qu'on va, lui. On va s'en occuper. Voilà, sniper. Alors, on va peut-être sauter d'un peu plus haut. J'arrive pas à prendre mon planeur. Hop, hop. C'est... Ah bah tant pis, il y a un coffre. Aïe. Flèche explosive. Toi tu dégages. Toi t'es moche, je t'aime pas. Je trouve ces donjons vachement cool sur leur thématique. Ouais franchement, j'avoue. J'avoue, je suis d'accord. Faut que je remonte. Non, on remonte. Accroche-toi, vas-y, parfait, Link. Professionnel. On a un peu de pied, mais c'est pas grave. Et là, on va pouvoir passer de l'autre côté. Mais d'abord, on récupère ce petit coffre. J'ai peur qu'on glisse. À être de biais comme ça, j'ai peur qu'on glisse. Cœur antique. Ok, nous voilà dans une autre zone. Là, il y en a un. Alors, dégage ta merde. Mais non, mais... Ah, oh, mais je suis pas douée. Vise l'œil. Ok. La question c'est comment on y monte maintenant. On va essayer de redresser. Oula. Ah. On a un truc à faire ici. Mais j'ai pas de baballes. Ah non, mais j'ai des bombes. J'ai des bombes. Excusez-moi, j'ai des bombes. Ouais, par contre, je suis dans une aile, du coup... Effectivement, si on baisse comme ça, c'est pas le bon sens, excusez-moi. C'est dans ce sens-là plutôt. Ça roule. Ça fait boum. Ouais, ça glisse, mais ça passe. Est-ce que si on met une autre balle... Attends, désactive-moi le vent. Enfin, c'est pas des balles, c'est des bombes, mais bon.
Ah oui, non, d'accord, ok, je vois. Attendez. Remets-moi le vent. On la pousse, on la pousse. Et là, on fait boum! Ah, maintenant, c'est une grosse balle de métal. Ah, du coup, on fait la même chose, je suppose. Va falloir la sortir de... Qu'est bordel! Qu'est bordel, qu'est bordel, hein. À moins que je puisse la... Je pense pas, hein. Si, je peux la saisir, je l'ai, j'ai la baballe. J'ai la baballe, j'ai la baballe. On prend la baballe. On pose la baballe. Juste ici. On refait pivoter. Et la baballe va tomber dedans. Et ça fait bim bam boum. Ouais. Allez, allez, allez. Bim bam boum. Pif! Et voilà. C'est compliqué tout ça. Hein. Et ben voilà! Et c'est ouvert! Et on a accès à ce terminal là. Il nous en manque plus qu'un. Et techniquement, on l'a déjà débloqué. C'est juste que je sais pas comment est-ce qu'on y accède. Ah non, il en reste deux. Mais c'est que tu en verrais presque le bout. Bah évidemment qu'on va en voir le bout. On va y arriver, on va y arriver. Ah oui, il en reste un plus loin dans l'aile. On peut y accéder plus loin dans l'aile? Pas par là en tout cas. Oui, parce que du coup il me reste celui-là que je ne sais pas comment est-ce que j'y accède. Ah, quoi qu'avec le vent il peut peut-être me... Est-ce que le vent il peut me pousser? Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être le vent. Le vent! Ah bah voilà, le vent il m'y pousse. Bah c'est pas compliqué! Avec le vent, tu t'écrases pas contre les murs? Non, jamais. Jamais, jamais. Ah, il est impressionné. Il est impressionné. Bon, il nous manque un qui se trouve du coup au bout de l'aile. Ah, par contre, il y a un coffre là-haut. Est-ce que vous croyez qu'en sautant de là-haut, on peut accéder au coffre? Si je saute d'ici. Sauf que je n'arrive déjà pas à monter, en fait, mais... j'arrive pas à monter. Redresse! Ah, ça fait peut-être un peu loin. Peut-être plus de là-haut, en fait, qu'il faudrait plus sauter, non? Oh, quoi que si, ça passe en vrai! Hey! Hey! Oui, alors là, par contre, tu m'embêtes. On va peut-être jeter la lance. Lance de gardien. Ouais, elle est pas incroyable. On va prendre ça. C'est une arme de main. Je suis pas très fan des armes de main, mais bon. Bon, il nous en reste plus qu'un. Non, c'est vrai qu'il ne peut pas monter. Excusez-moi, il faut redresser. Redresser, redressons. Bon, alors la question c'est où se trouve le dernier? Parce qu'a priori il serait là. Comment est-ce que j'accède au reste de l'aile? Pas par ici. C'est le bas de l'aile en plus que je cherche. Non! Aïe, 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 ça fait mal.
Je voulais passer au-dessus, y'a pas moyen de passer au-dessus de ça? Sinon, il y a par au-dessus. Je pense pas que par au-dessus je puisse. Hein. Ça me paraît. Je ne crois pas. Hein. D'accord. Ouais, c'est bien au niveau de cette aile-là. Ouais, c'est en dessous de ça. Je pense pas. Il faut que je passe par en dessous. Je suis quasiment sûr qu'il faut que je passe par en dessous. Et si on saute de là, vous croyez que c'est une bonne idée? Non, j'y étais presque. Alors, je peux pas me téléporter. Salut. Salut. Hein. Ah. Je dis que mon idée, ça passe. C'est juste que je me suis mal prise. C'est tout. On descend gentiment, tranquillement. Voilà. Voilà! Oh, je suis sûre c'est ça qu'il fallait faire en plus parce que l'œil il est là. Je suis quasiment sûre que c'était comme ça qu'on passe en fait. C'est sûr. Toi, tu dégages. Ah, et là, je vais pouvoir remonter. Je pense pas qu'il y ait quelque chose là-bas. S'il y a quelque chose, eh ben tant pis. Ah oui, non, mais ça me sert à rien, moi, de remonter ici. C'est pas ici qu'il faut que je monte. Faut juste éviter de tomber, y a pas un truc qui pourrait venir Tombe pas Link hein, surtout. Parce que là, il y a clairement quelque chose qui doit venir, non? On va faire de l'autre côté. Attendez, je suis pas venue ici pour rien. Tu peux utiliser ma prière à tout moment. C'est gentil, je peux utiliser sa prière à tout moment. Ça ne me dit pas comment j'accède là-bas. Bon, y a de la progression, certes, mais... voilà. On le voit en plus, le terminal, il est juste là. Comment j'y accède? Il y a un rail là, ici. Il y a un rail là ici, il y a un truc à faire avec les rails au-dessus. Ok, je pense qu'il y a un rail qui doit venir. Ouais, ça doit être lui. Alors, attendez. On rebascule parce qu'on aime bien basculer. Ok, ça se bloque tout ça. Ouais.
âme, ça ne m'aide pas plus. Sauf qu'il y a un petit passage au-dessus. D'accord. Je pense qu'il faut que je remonte. Il y a un truc à faire avec ces plateformes, en tout cas. C'est quasiment sûr. On remonte. On va y arriver. Pas de panique. Ah mais non, mais c'est le passage par lequel je suis déjà passé, ça. Ah non. Mais je m'en fous de ce passage, alors. Mais... Ok. Ouais, bien d'accord, c'est par là que je suis passée dans l'autre salle. Tout ça, quoi. Que ces rails, en fait, ils mènent absolument nulle part. Je crois que nous sommes bloqués. Je crois, hein, potentiellement. On est peut-être un peu bloqué. Éventuellement. Non, Link, accroche-toi. Pourquoi tu... Oh, tu t'accroches vraiment au dernier moment, Link. Hein. Bah ouais, non, ces blocs, ils peuvent aller nulle part, en fait. Puis là... Je me casse la gueule, mais sinon... Je me recasse la gueule, mais sinon je reviens... Je reviens au point de départ. Comment est-ce qu'on y accède? Parce que là, il y a un rail. Un rail qui mène sur un mur. Et qui mène nulle part. Je ne comprends pas. Déjà, je crois pas que j'étais censée passer par là. Hein. Je suis pas censée avoir débloqué ça, là, déjà. Mais bon, on débloque, nous, on débloque. Parce que clairement, c'est sous cette grille, hein, là, qu'il est... Pareil, ça me sert à quoi de m'envoler, là, ici? Ça me sert absolument à rien. On va tenter un truc qui est une folie et que je doute très fortement que ça fonctionne, mais... Soyons fous. Oh, attendez, c'est peut-être fait pour en fait, hein. C'est peut-être pas tant une folie que ça. Et le vent me pousse.